Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir l'épisode 18 de Spy Family. Donc on va pas traîner plus que ça. Et puis on va commencer. Annie va avoir une mort de. Elle va avoir une. Oh. Ah, une note de merde. Elle va se taper un genre un D ou un F. On s'en doutait un petit peu, hein. Non, mais faut qu'elle arrête de faire ça. Prend trop cher dans ce début d'épisode, ça me tue. Ah chaud! Ah, je pensais pas qu'il y avait une subtilité comme ça, c'est intéressant. Bon, déjà, on a une petite info, ce qui m'était pas non plus improbable, c'est que elle est pas née naturellement avec ça, quoi. Bah ouais, louloute. Je sais que c'est pas drôle. Je sais pas comment il fait pour penser et parler, hein. Bon, il est trop fort. J'avoue. Il me fume ce gars, il a deux personnalités quoi. D'ailleurs, il est toujours aussi. D'accord. Ouais, il a capté du coup. Effectivement. Oh, jaloux. Wak, elle me tue. Rip. Ouais, ce sera mieux sans lui, hein, parce que. Hein? Voilà. Oh, il est pas. Ouh, je disais juste avant que. T'abuses, hein, t'es pas gentil. Hein. Il a un kiff complet sur sa sœur, lui, hein, mais. Ami, ça me tue. Oui, on va dire ça, si tu veux, y a pas de souci. Je vais vraiment l'aider, d'accord. En fait, il voulait juste l'enfoncer, pauvre gamine. Ah, bah voilà, quand tu veux. J'espère qu'elle aura quand même la moyenne, hein, ce serait triste sinon. C'est mal barré. Ah, on va espérer que ça va la motiver. Ouais, bah c'est pas avec le théorème de Pythagore que tu vas aider à mieux vivre, hein. Moi, ça m'aide pas. Hein. Et au taquet, ça y est. Elle l'a motivée. Ah, ça me fume. La secte de Yor. Quelle grand-mère. Oh, la pire. Rip. C'est un cas désespéré. T'as trouvé, il est resté 10 minutes, tu sais. Ah, c'est pas si bon, apparemment. Par contre, le chien, on en parle, qu'il est couché et l'ermite en train de mourir. C'est tendu, ouais. Non, mais elle fait trop ça, Mali, alors qu'elle va échouer. Mais je suis sûre qu'elle s'est foirée, c'est obligé. Il y a Twilight là-dedans, c'est obligé, non? Non, il va pas falsifier les notes, ce serait abusé. Ah ouais, chaud, c'est vraiment coffre-fort avec les notes, hein. Ah, il s'était pas transformé, mais il était pas loin non plus, hein. En fait, ça fait un peu de la peine parce que lui, il a commencé sa mission et il a quand même deux bras cassés avec lui, hein. J'avais pas, enfin, j'étais pas loin en disant qu'il allait modifier les notes, mais bon, c'est abusé, hein. Mais oh, c'est quoi ce type? Il y a des gardes dans une école. Waouh, improbable. Attends. Oui, d'accord, bah la gravité n'existe pas dans cet animé, c'est bien. C'est pas un pro en tout cas. Waouh, un talentueux mec. Attends, j'espère que genre il va pas. Ça se trouve, Damien, il est pas aussi doué qu'on ne le pense, ou alors il va se faire. Ah, s'abuser. C'est bizarre que Lloyd il ait pas évité ça. Hein. Ah, non. Ou alors il a fait un coup de petite femme, entre guillemets, je me comprends quoi, ça c'est un peu un préjugé à la con, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi j'en suis pas très sûre, mon gars, mais bon. Mais il est con! Non, mais oh, Lucas! Mon dieu, on a affaire à un sacré coco là. C'est pour qu'il n'ait pas la moyenne, j'en étais sûre, c'est abusé. Ou alors c'est son père qui. Ah putain, c'est abusé. Je suis sûre que Damien, il a un père qui est horrible. Qui veut voir échouer son fils ou j'en sais rien. On n'en saura pas plus. Deuxième DCP en histoire avec un 19. Cool. Bah, merci Lloyd, hein, parce que sans Lloyd, il n'aurait pas eu cette note. Hein. 213. Bah, pourquoi il avait cette. Au moins, il n'a pas un tonito. Elle a pas de tonito, ouais, mais bon. Félicitations. Non, c'est surtout grâce à lui, ma pauvre louloute. Hein.
Mais je comprends pas la réaction de Damian. Il a de la peine pour elle ou ça se passe comment? Ça se trouve, il a rien touché. Il a vu qu'elle avait la moyenne et puis c'est bon, quoi. Bah, rip, ouais, en même temps, t'as chié, gars. Hein. Bon. Qu'a-t-on pensé de cet épisode? Moi, je pense que Lloyd n'a pas touché aux copies de Anya, qu'il a vu que finalement elle avait la moyenne et que ça suffisait pour l'instant. Je pense pas vraiment qu'il l'a touché. Je pense pas, hein. Vraiment, sinon il aurait. Je pense on aurait eu les pensées en mode ah, je les ai corrigées, c'est pour ça qu'elle a eu la moyenne et tout. Et je pense qu'il n'a pas bougé parce qu'elle avait la moyenne, tout juste la moyenne, et sinon ça faisait trop trop bizarre qu'elle ait genre des super notes d'un coup. Je pense, hein, je pense. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Ça se trouve, il a modifié pour ça et la moyenne. Mais je pense que cet épisode était surtout focus sur cet espion, Debrecq, qui sort de nulle part, qui était là pour falsifier les notes de Damian. Et ça, c'est clairement pas logique. Pourquoi Damian? Qui veut s'en prendre à Damian, moi, à part son père? Parce qu'on a bien compris que son père et lui, il y avait une mauvaise entente, qu'il y avait quelque chose qui se passait entre les deux. Et donc j'ai peur que ce soit son père qui soit derrière tout ça, qui veut entacher un peu la réputation de son fils. Je sais pas. Mais je sais pas, j'ai une petite supposition là-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, ça me fera super plaisir. Et sur ce, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao! We'll be right back.